Président République l'a prononcé sous affaire référendum qui a parlé dans le pays d'Haïti depuis quelques temps. Dans un tweet, locataire Palais National mettait d'ailleurs invité population pour une faire débat sous deuxième texte avant projet de loi constitution. Si pour président Jovenel Moïse organiser référendum dans le pays, c'est une nécessité pour opposants à pouvoir PHTK, pas question pour référendum organisé dans le pays parce que selon eux, Jovenel Moïse est président illégal parce que le mandat a fini depuis 7 février 2021. Papa ici, je n'ai pas besoin de connaître qui nous sommes, quel que soit ce que nous avons. Depuis nous avons un citoyen qui loue Jovenel Moïse, Kay, pour organiser un référendum, mettez les gens dans la même panne avec Jovenel Moïse. Même ce qui est réservé pour Jovenel Moïse, les gens s'appellent le même genre. Ça veut dire que ça, son avertissement, nous voulons la société. Les gens dans le quartier, depuis nous avons l'école nationale, un lycée, un collège, ou bien n'importe qui institution l'État, on pas dit brûler nous besoin. Mais passer prendre toute matériel yo déposé yo. On va pas dire mettre divers sur yo, brûler yo. À travers INOPS, hein? À travers les Nations Unies, c'est le cap fait. Commande matériel pour référendum. Hein? Alors que ni pays européen yo ni Américains, ils ont toujours dans les Nations Unies. Faut pas y comprendre une jeu qui a favel là, oui. Mais pas ici, attendez, bien ça m'a dit nous. Hein? Nations Unies, c'est lui-même qui gagne 20 millions de dollars américains dans le gouvernement haïtien. C'est eux qui ont fait toutes dépenses. Pendant qu'ils ont dénoncé, ils ont fait dépenses, oui, pour le référendum. La loi dit, la constitution dit, peuple a dit, l'opposition dit, simple citoyen dit, le mandat de Jovenel Moïse fini. Et nous tous constatons ça. Et puis même côté, nous, un groupe de monde, voulait proposer un premier ministre avec un bagage qui était un départ ordonné. Nous cohérents, nous ne pouvons pas parler de bagage ça. Deuxième bagage. Comment vous voulez que nous nous dans ça? Pouvoir inviter OEA à venir d'elle, opposition inviter OEA à venir d'elle. C'est vraiment en pile confusion. Toutefois, opposition politique là pas écarté possibilité pour embrasser projet organisation un référendum dans pays dans le cadre d'un gouvernement de transition. Bon côté société civile et communauté internationale et spécialement pays les États-Unis, yo estimé processus référendaire là manquer participation population qui donc il manquer inclusion. Sous question nouveau constitution, bam clé à la papote. Processus que Jovenel Moïse choisit, il n'est pas participatif, il n'est pas inclusif, il est illégal, il est illégitime, il n'est pas constitutionnel. PAI et Polygraph demandent ensemble secteurs qui te prennent engagement pour accompagner les revendications massives pour secouer pour eux et prendre responsabilité face à petits groupes politiciens qui n'ont pas ordonné. Cap négocier pouvoir avec le dictateur sanguinaire Jovenel Moïse pour renouveler le régime criminel PHTK sous son peuple. Et puis, bah, Jovenel Moïse, barrière libre pour sacrifier acquis démocratique à référendum illégal. Jovenel Moïse fou. Avec la communauté internationale, les lacs qui sont impérialistes américains, sous couvert de institutions financières capitalistes, dirigées donc sous contrôle de l'ONU, nous avons problème pour faire le même parler de référendum. La question du référendum, élection, on dit pour qui est-ce bon, pour qui ça référendum, dans l'intérêt qui est. Amen. Le référendum, il n'y a pas de référendum, il n'y a pas une volonté populaire. Ouais, Massio, position par rapport avec le référendum. Nous dénoncer à travers mobilisation, nous dit non à le référendum. Dans la radio, nous dit non. Dans la télévision, nous dit non. Donc, dans le marché, nous dit non. Dans l'école, dans l'université, tout côté, c'est non à le référendum. Mais puisque nous avons un peu de au niveau international, Nations Unies, donc, et à travers les plusieurs millions d'années pour gérer la question de l'argent, la question du référendum. Passer par INOPS, mais c'est Nations Unies. INOPS sont branches en Nations Unies, mais c'est Nations Unies même
dans la question de gérer l'argent, passer l'argent, nous fous dans la question de référendum. Et le pays n'a pas d'accord avec nous. Ça veut dire ça, ça veut dire référendum, non? Il a intérêt. Impérialiste américain, institution financière capitaliste, il a intérêt l'ONU, il a intérêt une flange de la bourgeoisie qui a supporté le gouvernement de ce pouvoir, c'est un virus oublié. Référendum a intérêt direct, un paquet de politiciens qui a porté un discours, donc débat ordonné, il n'y a pas de problème avec la question du référendum. Okay? Depuis le débat ordonné, pour tout d'abord tout avec le référendum. Depuis, donc, on a débat ordonné, ou déjà une position pour l'HTK. Ça veut dire que sont alliés en cachette pour l'HTK. Et on peut voir négocier avec l'HTK. Et on peut clairement montrer dans le gouvernement avec l'HTK. Avec une journée et une journée. Donc, et pour montrer, le référendum n'a pas de jeunes aujourd'hui. Il parle d'intérêt, nous avons vu de la catégorie. Et c'est un référendum privé qui est. Mon référendum privé dans dimension politique, veut dire que son référendum donc, qui n'est pas fait. Techniquement, il n'est pas fait. Et nous ne pouvons pas faire un référendum avec une équipe. Pas faire un référendum avec un vote illégal, comme président, qui est illégitime, illégal. Donc, Jovenel Moïse n'a pas invité le peuple. Nous, référendum, c'est parce que même il n'y a pas de l'élection. L'élection normale, l'élection pour député, sénateur, président. Ça veut dire qu'il y a une invitation qui est faite. Vous avez ça, l'élection, une invitation en symbolisme. Ça dit, côté que le président ça a invité le peuple là pour participer. Mais qui est-ce qui est invité? L'invité de la saline, il ne faut pas massacrer. Est-ce que l'invité de la saline? Pour que la saline ne soit pas là, il parler de référendum. Ça veut dire son référendum. Sans la saline, c'est pour montrer ce bagage qui est privé. Et puisque le privé, et masse populaire, le communisme déjà, le dit nous avec. Référendum, nous sommes attaqués contre la nation. Ça veut dire que Massio n'a pas entré dans la logique du référendum parce que son guerre est déclenchée contre Massio. On a crasé, quel que soit le bureau, PHT Katari, intention de mettre l'enfant national. J'ai envie de prendre. Ça veut dire que nous-mêmes, nous disons ça, nous-mêmes, nous sommes militants. Nous sommes une organisation populaire. Nous sommes une organisation révolutionnaire. Depuis que nous avons PHT Katari, mettre l'enfant national, on a crasé. Et nous battons les victimes, si elle est victime, elle va dans le camp. Dans le camp, par où? Ça nous crée sur la question du référendum. Donc, dans ce sens, je souhaitais pour l'autorité mettre tous les moyens disponibles à la population pour participer dans tout débat qu'elle fait. Le référendum, d'après un peu le savoir, c'est un processus côté autorité, consulter la population sur les mesures que vous voulez adopter. Depuis le processus référendaire a commencé, il y a une grosse parole qui a parlé comme quoi, il y a une manœuvre qui a fait pour craser le processus là. Après la crise sanitaire COVID-19 qui a ravagé le pays d'Haïti, l'autorité au niveau du conseil électoral provisoire a reporté la date 27 juin pour organiser le référendum à une date inédite, qui veut dire une date qu'il n'y a pas. Pendant l'opposition, Bopal a préparé pour craser le processus là par toute manière, il y a un parti de la population prend la rue pour exiger le conseil électoral provisoire publier une nouvelle date pour organiser le référendum. Wilson Octavius.